Et les amis, j'espère que vous allez bien. Je fais une nouvelle vidéo, un nouveau haul. Excusez-moi, j'ai plus trop de voix à force de gueuler sur les gens. Désolée pour aussi le fond. Voilà, je tenais à m'excuser parce que je suis en plein déménagement. Je vais vous montrer ça. Voilà le gros bordel. Donc, donc vous m'excuserez pour tout ça, pour la lumière, bref, pour tout. Bref, c'est pas important. J'ai acheté pas mal de choses à Action. J'ai pris des sacs Carrefour parce que lui qui a tout jeté mes sacs Action, donc c'est génial, j'ai des sacs de merde avec moi. Pas dans ma vie. Bref, je vais essayer de retrouver le ticket de caisse. Ça peut être pas mal. Que je ne retrouve pas. Donc là en fait j'ai acheté pas mal de choses à Action, de produits ménagers, de choses, des basiques en fait pour une personne qui débute, enfin pour un étudiant ou je ne sais qui a un appartement, donc il faut nettoyer, il faut avoir des produits d'entretien, etc. Et j'ai acheté un peu tous les basiques, tout ce qu'il fallait acheter, parce que pour celles et ceux qui ne savent pas, qui viennent de débarquer sur ma chaîne, je déménage, je me sépare de mon copain, je déménage, je dois tout, enfin j'ai déjà pas mal de choses en produits ménagers, mais comme j'ai plus de voiture après, bah j'ai fait le gros stock de produits ménagers à Action, comme ça j'aurais pas besoin d'aller à Action tous les mois pour acheter des petits produits ménagers. Voilà pour la petite explication. Donc, alors tout d'abord j'ai acheté des chiffons à poussière en statique, alors je vais voir ce que ça donne ça. D'accord, donc en fait c'est des petits chiffons comme ça. À poussière, bah écoutez, on va bien voir ce que ça donne. Ça c'était moins d'un euro, c'est genre 74 centimes, quelque chose comme ça. C'est de la marque Spargo, donc ça c'est vachement bien cette marque. J'ai aussi les chiffons comme ça pour la serpillière, sont vachement bien. Donc j'ai pris ça. J'ai ensuite pris un pommeau de douche, ça c'était 5 euros. Moi j'ai pris un pommeau de douche comme ça parce que j'ai vu celui que j'ai, là il est tout petit, donc je préfère un grand comme ça. Et puis j'aime bien avoir du neuf dans tout ce qui est truc pour se laver, tu vois. Parce qu'on sait pas où ça a traîné, donc... Ça, j'ai ensuite pris de la Javel. De Javel, j'ai pris ça en 3 bidons. Comme ça. J'ai pris ça parce que tout simplement, les... J'ai fait faire tomber. Il y a beaucoup de tartre dans ma salle de bain. Enfin, dans ma future salle de bain. Les toilettes, la... enfin tout. Tout est plein de tartre. Donc on m'a conseillé de prendre de l'eau de Javel. Donc j'en ai pris pour nettoyer, pour désinfecter. Ça c'était 1,39€. J'ai ensuite pris toujours la marque Spargo, les lingettes pour le sol. Donc elles sont bien mais c'est pas ouf non plus. Elles sont pas trop humides, c'est à dire que tu utilises 2 minutes et c'est terminé, tu vois. Tu peux faire juste 10 mètres, 15 mètres carrés grand max et basta quoi. Donc c'est bien pour dépanner, tu vois. C'est pas ouf, c'est pas la top qualité, mais c'est toujours mieux une sapière, mais bon, ça dépanne toujours. J'ai ensuite pris toujours la marque Spargo, celle-ci de lingettes qui nettoie les chiottes, et ça c'est vachement bien. Là en plus ça sent super bon, ça sent le propre. Donc voilà, j'ai racheté ça. Ah, j'ai pris que une fois moi. Ah, je pensais que j'allais prendre plusieurs fois. Ça c'est aussi moins d'un euro. J'ai ensuite pris 3 fois ces lingettes là. Franchement elles sont géniales celles-ci. J'ai beau utiliser un chiffon avec un produit et tout, je trouve que ça fait vachement mieux l'affaire. Ça sent bon mais un truc de fou, ça sent trop bon. Donc ça sent la pomme. Et enfin c'est pas la pomme genre pomme chimique, tu vois, c'est genre ça sent bon, ça sent le propre. J'en ai pris 3 comme ça. Si je retrouve le ticket de caisse, je vous dis les prix après, hein, parce que là il y a tellement de choses. Ensuite j'ai pris des pastilles Javel, donc pour mettre dans les chiottes, c'est que ça se prend comme ça. Ça c'était 3 euros je crois ça. Donc ça fait cleaning, descaling, refreshing. Laissez agir la pastille pendant 30 minutes, tirez la chasse d'eau, utilisez une pastille à la fois. Contenu 8 pastilles. Ah, moi je vais la laisser toute la nuit, tu vois. En fait non, faut la laisser 30 minutes. Voilà, ensuite j'ai pris du sopalin. Ça c'était dans les 2 euros. Donc j'en avais besoin vu que je déménage, j'en aurais besoin de sopalin. J'ai pas envie d'acheter du sopalin à Carrefour, c'est qu'il coûte super cher. J'ai aussi pris du PQ. Moi j'en ai quand même pas mal. Ça c'est assez encombrant, tu sais, quand t'as pas de voiture, tu dois aller à Action. Tu travailles avec du PQ dans les transports, c'est pas fameux. Donc ça j'en ai pris. Ensuite j'ai pris du sopalin comme ça pour nettoyer. Vous voyez, bah, l'appartement, je sais pas, j'ai besoin de sopalin, bah j'en ai. Et ça c'est bien, ça dure vachement longtemps. J'ai trouvé le ticket. Oh putain, mais regardez la taille du ticket. Non mais ça me fatigue. Ah putain. Les PQ c'est 2,88€, essuie-tout 1,78€. Ça c'est 99 centimes. Ça c'est 1,72€. Les chiffons c'était 52 centimes. Bah les pommeaux de douche, tiens. Douchette 4,59€. En fait ouais, voilà, vous connaissez les prix, enfin ça c'est des prix pas très chers et on peut facilement deviner. Ensuite je me suis pris un plateau, il était trop beau. Donc bref, je me suis pris un petit plateau comme ça. Alors j'en ai un comme ça en noir, mais il est complètement, enfin bref. J'en ai préféré en prendre un autre et un plus petit, je le trouvais trop mignon. Et j'avais vu ça en fait, il y avait 3 tailles. Donc, et si vous prenez les 3 tailles,
bah, ça vous fait à 8,80€ et quelques. Et ça, le petit plateau coûtait 2,39€, de ce que j'ai vu. Plateau 2,95€. En gros, si je prenais les trois, j'en ai un plus grand, un autre encore plus grand. C'était 8 et quelques. Je vais prendre le petit, moi. Ensuite, j'ai pris des serpillères. Je pense qu'on en a. Enfin, des serpillères, des. Enfin, t'as compris. Je pense qu'on n'en a jamais assez. Ça, c'était moins d'un euro. De toute façon, vous connaissez le prix. Ça, c'est pour le jardinage que je vais vous montrer. J'ai pris des petits godets comme ça. J'en avais vu à AliExpress, mais. Flemme d'attendre qu'ils arrivent, quoi. Donc, j'ai pris ça. Ça, c'était 99 centimes. Ça, je me souviens du prix. 99 centimes. J'ai ensuite pris. Alors, j'ai pris. Du déodorant Sanex, ça c'est pas indispensable mais bon vous comprenez. J'ai pris ça, pourquoi j'ai pris ça. Shampoing à sève d'olivier et lait d'acacia, cheveux abîmés, fragilisés. Donc j'ai pris ça, enfin j'ai pris les premiers shampoings qui me venaient en fait. Ça j'ai pris à la pomme et feuilles d'olivier. Donc ça c'était dans les 2€, c'est beaucoup moins cher qu'à Carrefour. Et j'ai pris ça, tu vois, tu accroches ça au balcon. Ça coûtait 99 centimes ça, alors qu'à Truffaut ou ailleurs même, ça coûte une blinde. J'ai failli en acheter à Truffaut hier, je me suis dit mais je crois que j'en avais déjà vu à l'action. Et là je les ai vus, je fais oh my god, je les veux. J'ai failli m'acheter aussi, vous savez, les petits tapis, enfin l'air, la fausse herbe synthétique. Bon, il y en avait un qui était à 14,95€, c'était celui que je voulais. Et un autre qui était de moins bonne qualité, c'était à 5€. Et il m'en aurait fallu 3 de rouleaux en fait. Putain, mon highlighter est oufissime. Hein. Et je les ai pas pris parce que, je sais pas, je me suis dit, on va pas dépenser 45€ là-dedans. T'as 1000 balles à dépenser là en meuble au niveau des matelas, des superposés, canapés, etc. Tu achèteras ça une prochaine fois quoi. J'avais vu ça, j'avais trop hésité mais au final j'en ai pas pris. À Truffaut ils en ont mais je sais pas du tout les prix. Bref voilà, ensuite ça j'ai vu ça à Jiffy de base et je le voulais trop. Et il coûtait dans les 5€. Là je l'ai vu à Action. C'est un seau en fait qui se plie. Et je trouve ça mais juste génial, oufissime et tout ce que tu veux. Et... trop bien. Voilà donc c'est vraiment un gain de place. C'est un seau qui a coûté 3,95€. Et vraiment... c'est facile à ranger, j'aime trop. Donc moi j'avais vu ça à Jiffy, je voulais aller à Jiffy exprès pour ça. Mais quand j'ai vu ça à Action, je me suis dit mais Dieu m'a mis ça sur mon chemin, je le prends. Donc voilà, donc c'est un seau pour tout en fait. Hein. Ils disent seau pliable, mais c'est vous pouvez tout ranger dedans. Enfin voilà, vous pouvez ranger des choses dedans ou passer la serpillière avec. Donc voilà, j'étais trop contente de l'avoir trouvé. J'ai ensuite pris des lingettes bébé à 99 centimes. Celles-ci, elles sont super bien. Et elles sont super bonnes. Et elles sont vachement bien quand vous faites de la peinture. Si vous faites de la peinture et que vous mettez de la peinture sur votre peau, vous allez au lieu de mettre du white spirit ou de le gratter à fond à l'eau, tu vois, et bah tu prends ces lingettes là, ça part en un seul coup. Genre moi c'est un truc de fou, j'avais plein de peinture et tout, tu vois. Et j'ai fait juste un coup et tout était parti. Donc c'est un bon achat ça. C'est vachement pratique. Ensuite, et c'est la première fois que je vois ça et je trouve vraiment pas ça con. Ça en fait avec un bouchon, vous savez, c'est les chip sheets de base. Là ils l'ont mis en bouteille, je trouve ça tellement plus intelligent. Parce que moi j'en ai un qui... le chip sheet il marche toujours, tu vois. Donc je le mettrai là-dessus. Donc ça sent super bon. Toute cette gamme là en fait, qui est 100% naturelle, sent vraiment divinement bon. Vous l'avez aussi en bleu, en rose, en vert, en orange. Et là je l'ai en rouge, donc je suis contente de l'avoir eu. J'ai jamais vraiment testé cette odeur là. J'ai déjà testé le bleu et le orange et le rose, ils sentent vraiment super bon. Et là je me suis acheté aussi le bleu, celui-ci. Voilà, je me suis acheté celui-ci qui sont divinement bons aussi. Et ils faisaient pas en bouteille comme ça. Voilà pour ça, 1€ quelque chose ça. Ensuite je me suis pris ça pour la jardinerie. J'en avais déjà, mais sauf qu'en fait le foot est indélébile. C'est-à-dire que je peux pas effacer ce qu'il y a marqué dessus. Quoi, si j'ai d'autres plantes que le basilic, ce que j'avais avant, je noterai. Ça c'était pas cher, c'était 1€. Donc voilà, j'ai pris ça. J'ai pris aussi un sécateur Hyundai, je sais pas comment vous prononcez ça, mais je savais pas qu'ils faisaient des sécateurs. Enfin, pas une marque de voiture. Pas si bizarre, non. Ça me fatigue. Meuf, j'ai pris ça pour ma petite plante. Parce que oui, j'ai un balcon et tout, je vais être trop contente, j'ai plein de petites plantes. Ça va être trop bien. Et ça, c'était 4€. Ensuite, j'ai pris des sacs noirs. Vous savez, c'est des petits sacs comme ça qui se plient. J'en avais besoin. Encore une fois, Dieu m'a mis ça sur mon chemin. Bah écoutez, je prends, hein. Je prends. Donc, il y avait plusieurs couleurs. Il y en avait multicolores, mais je préférais noir. C'est beaucoup plus simple. Et c'est vachement pratique parce que quand mes clientes elles passent à ma caisse, à Truffaut, les enfants sont de retour. Et ben, elles ont ça et c'est vachement pratique pour ranger leurs affaires. Donc, ensuite, je me suis pris des éponges comme ceci pour nettoyer un peu tout le. Tout nettoyer, c'était aussi moins d'1€ ça. On va attendre qu'ils rentrent à la maison parce que sinon vous allez entendre leur cri.
Ensuite, je me suis pris de la marque Monsieur Propre. J'ai pris toute la gamme. Hein. Qui, le Monsieur Propre dégraissant. Voilà. J'en avais, j'avais plus de Silk Bang, donc j'ai vu ça, je suis bah c'est cool, j'avais pas qu'il faisait ça. Moi j'ai pris celui-ci. Monsieur Propre élimine les résidus de savon, une brillance longue durée, parfum frais, nettoyant pour salle de bain. Donc j'ai pris ça aussi. Et j'ai pris le multi-usage. Ouais, j'ai pris celui-là. 1,99€ à chaque fois. Donc franchement ça va les prix, c'est pas cher que ça. J'ai pris le truc le plus glamour du monde. Un balai à chiottes, 2,77€. J'ai pris ensuite pour ma baignoire. Ça c'est un tapis de bain en fait que tu mets dans la baignoire. Moi j'aime bien avoir un tapis de bain parce que... Enfin un tapis baignoire quoi parce que... Je sais pas, j'aime pas avoir mes fesses sur la baignoire. Genre ça me dégoûte genre... T'as beau la laver, je sais pas, ça me... En plus, tes fesses, elles glissent, tu sais, donc c'est un peu gênant, tu vois. Bref, 3,29€. Je me suis pris des sacs poubelles. J'ai pris ça et j'ai pris ça aussi. Donc un sac poubelle, ça c'était 60 litres et ça c'est du 25 litres. Ça c'était 1€ et quelques. Donc si je veux faire du tri, hop, je mettrai directement là-dedans. J'ai repris des Spargo. J'ai pris du dentifrice Colgate, ça c'était 1€ et quelques. Moi j'ai pris ça. J'ai pris aussi des petites éponges. Comme ceci. Alors je sais pas trop à quoi ça va me servir, mais je sais pas, on m'a dit d'acheter ça. Donc j'ai pris ça. J'ai ensuite pris des petites. Pourquoi j'ai pris ça? J'ai pris ça, c'est pour les chiottes. J'ai repris donc le liquide vaisselle. Celui-ci qui est vachement bien. Donc j'ai repris ça. Je pense que c'est tout pour mes achats à moi. Après Luc a fait d'autres achats mais c'est inintéressant. Enfin je déconne, je vais essayer de vous montrer ce qu'il y a d'intéressant. Non bah en fin de compte, il a pris quasiment les mêmes choses que moi. Parce que lui aussi doit racheter tout vu que tout est à moi quasiment. Donc qui rachète, vous savez, tout ce qui balait, machin et tout. Enfin bref, on s'en fout. Donc voilà, n'hésitez pas à aller à Action en fait pour acheter tous vos basiques. Tout ce qui est produits ménagers, balais, serpillères, seaux, etc. qui sont très très chers dans le commerce, hypermarché, etc. Et à Action, c'est un prix mais complètement cassé. Ils font vachement fort. Pour celles et ceux qui ne connaissaient pas Action, mais après, je sais que sur ma chaîne, enfin, quasiment tous à connaître Action. Donc voilà, je vais vous montrer mes petites trouvailles pour mon appartement que je vais avoir dans exactement 5 jours. J'ai les clés, mais j'attends qu'ils fassent l'état des lieux vendredi pour avoir les clés pour emménager samedi. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous a plu. J'avais aussi filmé d'autres petits hauls Action par-ci par-là, genre dès que j'achetais un truc je vous filmais. Donc je vais peut-être vous les mettre en insertion si je retrouve les vidéos, si je retrouve pas les vidéos bah tant pis. Mais je vais vous les mettre en insertion maintenant. Alors on a pris, pousse-toi Kina, non pousse-toi. Alors j'ai pris ça, c'est pour ma pote qui aime bien ça. J'ai pris 3 fois de PQ pour cette petite Okina. Ma pote elle a pris ça aussi, des petits chaussons. Des chaussons en fait à l'intérieur vous avez du gel. Et toi tu arrêtes de bouffer. Ensuite elle a pris ça, des petites lingettes roses, multifonction. On a pris du coca en 3 fois. Elle a pris comme moi, parce qu'elle a aucune personnalité, du pied-pied pour nettoyer. Ensuite elle a pris du gel cuisson, toujours... Du sopalin, ça sauve la vie. Ah c'est mieux, non on boit pas. Kina si tu bouges le truc. Oh. Ensuite j'ai pris de l'Arizona, elle aussi en a pris. Alors je n'ai jamais goûté ça, c'est au green tea with ginseng et oni. Ça va être drôle. Elle a pris ça aussi. Elle a pris 4 petites bouteilles à l'aloe vera originale. De base ça coûte genre 3€. Là c'était genre 99 centimes. Elle en a pris 4 et on va goûter ça. Ça va être très bizarre. J'ai repris du truc pour le sol. Et j'ai pris du jus de noix de coco. On va bien goûter ça, ça va être bon. Donc là c'était 2€ la noix de coco. Ça c'était 1,39€. Ça c'était 89 centimes. Merci. Et après, bah, c'est tout. Après, c'est toujours moins d'1€. Donc, voilà pour les petits achats vite fait. Vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne juste ici. Si c'est toujours pas fait, je vous mets aussi dans cette vidéo qui s'affiche juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.